prendre cette pièce de Gaspard Sanz. Alors, la première chose, on a donc, vous pouvez télécharger la partition, regardez la description. On a trois temps. Premier temps, je joue avec la basse, la quatrième corde. Ensuite, je joue avec l'index, et là, j'ai le troisième et le deuxième doigt. Le troisième doigt, donc sur le ré. Pouce, index, ré, et après j'alterne. Do dièse, ré, mi et fa. Là, je me retrouve avec une noire pointée, et donc j'ai 1, 2, et sur le E, je joue à la corde à vide, le mi. Et donc ça fait. Et quand je rejoue le ré, je bloque exprès la première corde pour justement avoir mi ré et pas mi ré ensemble. Je rejoue du début. Ensuite, je joue deux notes en même temps. Le deuxième doigt sur fa dièse avec le pouce. Le premier et le troisième doigt sur fa dièse et la. Je descends. Mi et sol. Si je joue du début. Ensuite, je joue avec le deuxième doigt, mais je fais un lié. C'est-à-dire que je joue une fois et le troisième doigt va jouer tout seul. Ensuite, je rejoue sur le fa dièse, mi et ré. Ce qui fait. Là, la même chose d'avant, le troisième doigt bloque un peu la première. Je recommence. On recommence la même chose. Maintenant, je joue la quatrième corde, l'index. Le majeur avec le mi, j'enlève le troisième doigt. Et je refais ce que j'ai fait avant deux fois. Et je fais la même chose maintenant, mais sur la cinquième corde et sur la deuxième corde, avec le deuxième doigt toujours. Et attention, quand je pose le deuxième doigt, je bloque aussi la deuxième corde. Pour la même chose de ce que je disais avant. Et non pas. Ensuite, je me retrouve à la mesure 13. Je joue le pouce sur la cinquième, l'index sur la troisième corde là, et quand je joue le si, j'enlève le deuxième doigt pour que ça soit justement clair avec la mélodie. Et je refais ce que j'ai fait avant. Je rejoue la cinquième corde, mi à la première corde, ré. Attention, je bloque le mi. Quand je joue le ré, je rejoue ce qu'on a fait. Maintenant, je joue toujours le la, mais je change de position avec le quatrième doigt. Le deuxième doigt tombe bien. Et là, je redescends et je fais ce qu'on a joué avant, en fait. On recommence. Là, on a, je suis à la mesure 20, le troisième doigt, le deuxième, le troisième, la corde à vide et le troisième doigt. Je recommence, cinquième corde, la, sol, et je reviens comme avant. Les deux cordes à vide, la mi. Ré, mi. Vous voyez comment j'enlève le ré quand je joue le mi et la fin, même chose qu'on avait fait avant. Je vais rejouer tout très lentement.
bonne vitesse après, quand vous l'avez bien travaillé, c'est à peu près celle-là.